Il a même emporté son carnet de chèques. Comment pas de chèques? Ah, vous voulez payer en liquide? Ah ben pas de problème. Au revoir, monsieur. Ah pardon, madame. Ah oui, madame, au revoir. Je sais jamais si elle mange du poulet aux hormones. Allô? Oui, les Galeries Lafayette? Oui, effectivement, je vous ai acheté un manteau en peau de lapin. Ce n'était pas du lapin? Oh, c'était du bison? Oh, ben alors vous n'aurez qu'à me rembourser la différence. Ah non, les prêtres n'ont jamais été payés? Oh, vous êtes sûre? Oh, la police? Ah, monsieur, vous êtes désagréable. Désormais, je vous retire ma clientèle. Au revoir, monsieur. Non, madame. Oh, décidément. Écoutez, votre manteau en peau de lapin, vous pouvez vous mettre. Oui, le bureau de tabac, oui. Un billet d'asile. Oui, effectivement, je vous ai acheté un billet d'asile. Mon mari va venir vous passer, vous le payer. Ah, il est déjà payé? Alors, au revoir, madame. Ah, monsieur. Oui, oui, oui. Un billet de loterie. Oui. Encore un billet de loterie. Mais c'est fou ce que j'achète comme billet de loterie en ce moment. Hein? Bon. Ah, c'est le même. Bah, comment faites-vous pour vendre de vous-même? Ah non, il a gagné. Ah, qu'est-ce qu'il a gagné? 10 millions. Ah, bon. Au revoir, madame. Monsieur. Au revoir. Dix millions. Mais 10 millions de quoi? Oh, oh là 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 là. Oh, la lumière. Où est la lumière? Oh mince, je n'ai pas vu la lumière, il y a encore. Oh, je vais téléphoner au renseignement. Ah non, le bureau de tabac, oui, le bureau de tabac, oui, le bureau de tabac. Oui, le bureau de tabac de la rue Piétonne. Voilà, c'est ça, 90, 63, 43, 58. Merci, au revoir, monsieur, madame. Alors, 90, 70, 63, 63, 43, 58. Oui, oui, l'auto, l'auto, l'auto. Mais non, pas l'automobile. Le billet l'auto, loterie, voilà. Il a gagné mais combien? 10 millions de francs? Oh, au revoir! Au revoir, madame! Monsieur, le billet. Ah, ce vieux garçon, toujours pédérat? Non, homosexuel. Ah.
Dis-toi en attachant mon nom, hein. Dis-toi mieux. Et bien voilà, comme Gaston venait de gagner au tiercé, je lui ai emprunté 3000 francs pour payer le propriétaire. Bien. Tu as donc payé le propriétaire. Et non, parce que j'ai rencontré Lucien. Ah, c'est Lucien, et il a gagné au tiercé. Non, 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 il m'a réclamé les 50 francs pour lui donner. Oh, ce manque d'éducation. Ouais, alors j'ai pris 50 francs sur les 3000 francs de Gaston, et je les ai donnés à Lucien. Mais le billet, quand est-ce qu'on en parle? Maintenant, on en parle maintenant. Enfin, je suis allé voir le propriétaire. Comme il m'a fait 50 francs, il ne me restait plus que 2995 francs pour payer le propriétaire. C'est logique. Ouais, alors j'ai dit que j'y donnerais 50 francs à ma gagne de même au plus tard. Il a vraiment voulu savoir. Ah, bah ça n'est pas ça. Ouais, alors, et c'est à ce moment que le billet est tombé de mon portefeuille. Le propriétaire, il a vu, il a ramassé, et il a dit avec ça, ça fera l'affaire. Avec ça, ça fera l'affaire et il a empoché le billet. Quoi? Notre billet? Oui, mais notre, exactement. Le billet gagnant? Oui, oui. C'est mignon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va acheter notre billet. Elle ne veut pas d'annoncer si là, je veux. Non, attends, j'ai encore une idée. Il ne sait peut-être pas encore que le billet est gagnant. On va lui téléphoner. Téléphoner. Que je téléphone à qui? Au propriétaire, son numéro est sur l'appareil. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais je ne sais pas, moi, qu'on a une fuite. Une fuite de quoi? Une fuite de gaz. Tu n'en as pas de gaz? Eh bien, je ne sais pas. Ne prédis pas, dis simplement une fuite. Allô? Allô? Allô, monsieur Hubert? Oui, oui, c'est votre locataire ici, oui. Comment allez-vous, monsieur Hubert? Votre charmante femme, comment elle est là? Et votre fils, il n'a pas si vous n'avez pas de fils? Il n'y a pas de fils. C'est pour vous dire que nous avons une fuite. Ah, vous nous avez coupé l'eau il y a 15 jours. Oui, mais voilà, mais monsieur Tuber, c'est pour vous dire que l'eau est en fuite. Voilà. Allô, monsieur Guibert? Et comment allez-vous? Et votre charmante femme? Et votre fils? Il n'a pas de fils. Ah, ben non, mon mari veut dire que nous allons prendre la fuite. Mais non, nous allons prendre la fuite à notre compte. Oh, et puis venez tout de suite. Oh, il vient. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Prends un air naturel. Il ne faut pas qu'il se doute de quelque chose. Je vais fumer la pipe, je vais faire semblant de fumer la pipe. Mais tu fumes jamais la pipe? Mais justement, je ferai un peu mieux semblant. Bon, et bien moi, je vais reprimer. C'est déjà dit? Ben, il n'y a que trois marches à descendre. Pour utiliser le billet? Voilà! Je vais manger le poids, parce que ça. Mais non, mais non.
mais mieux au tard que jamais. Ah, mais mieux au tard que jamais, ouais, ouais, bien sûr. Et il vous a donné aussi notre billet de la tournée. Oh, ah ben, bien sûr, il manquait 50 francs. Thank you.
suite dans l'Égypte. C'est pour ça que des fois, c'est difficile de la suivre. Georges, finis ton temps. Ah, bah, bonne idée. Rendez-moi ma veste, hein. Monsieur Dubec, accepteriez-vous une partie de carte? Oh, alors, si vous me prenez par mon point faible, j'hésite un second que je peux récupérer ma bouche. Ah, alors, à quoi jouons-nous? Oh, mais je ne connais pas ce jeu. Moi non plus. Oh, c'est étrange, ça. Joue. Mort, 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 m